Et ce qui est fou, c'est que j'ai réussi à gagner d'XP alors que Connor, la dernière. Connor. Connir, je sais plus. Il arrivait pas. Connard, à... tout de suite, ça y est, putain, il insulte tout le monde, ce mec. J'ai pas dit il connard. A aucun respect, tu l'as dit. Ah, tu l'as dit ça. Tu l'as dit. Ok, on verra le replay. Non, mais attends, on a des gens avec nous. Est-ce qu'il a dit connard? Et clairement, oui. Alors là, c'est le problème. Voilà. J'ai pas dit connard, j'ai dit ouais, connard. Non, le mec, il va te balancer connard, quoi. Sincère en plus. Te jure, la vie, j'ai pas dit ça. Ah, ouais, dis pas la vie de ta mère parce qu'elle va crever ta mère, hein. Là pour le coup. Y'a des gens en direct qui ont tous entendu connard, quoi. Mais y'a des gens qui étaient là qui ont entendu connard. Ah, y'a un coffre ici. Je vous crois pas, c'est impossible. Mais putain. J'ai trop un self-control. Oh bah, ça se trouve, ouais. Ah oui. Je dis pas tout ce qui se passe par la tête normalement. Tout ce qui me passe par la tête. Bah. Non, par contre, on est au courant de tout ce qui passe par ailleurs. Hein, mais... Chut. On verra premier modèle de la commence, hein. Tête, hein. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait en tirer. J'ai déjà envoyé. Alors là, ça pue. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, non, 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 non. Oh putain. Je crois que j'en ai quand même eu un. Hein. Non, mais je suis resté pour être gentil. En fait, j'ai un truc si ça a marché. Donc, y'a que moi comme, qui suis un connard. Ça marche. Vous l'avez rebaisé, allez, enfoirés. Bah, pourquoi je suis resté sur l'ascenseur à ton avis? Alors, ce qui veut donc dire que je vais mourir, mais c'est pas grave, ça valait le coup. Non! Oh yes! Non, non, en plus, je suis là. C'est bon. Moi, j'ai envie de dire le karma Marcus. J'espère que tu vas crever. Soul, t'as pas intérêt à faire ce que je pense. Je te vois, hein. Jerk! Ah, Soul, hein, fils de. Pardon, ça m'a échappé. Il gagne tellement du cœur. Incroyable. Et heureusement qu'il dit qu'il a beaucoup de self-control quand même, hein. Il m'a échappé. Oui, bah c'est le principe du self-control, c'est justement que ça ne t'échappe pas à la base. Ah bah là, ça m'a échappé, j'espère que tu vas mourir. Rien que pour ça. Vraiment, ouais. J'espère que le karma il va te rattraper, il va te dire. Tiens, tu l'as pour faire la première. Oh. Vitalis, Hector a déjà envoyé ses ingénieurs pour évaluer le matériel. On peut pas les laisser faire. Soit, un matériel. Faites ce que vous voulez, mais envoyez-moi les données. On ne peut pas laisser passer cette opportunité. Bien. C'est pas là, PC. Je fais ce qu'elle dit. Je reçois les données. Oh, c'est verrouillé par un mot de passe, hein. C'est ça que ça veut dire, le cadenas. Même après Jack, après toute la torture, j'ai du mal à imaginer ce qu'a dû subir l'ange. Un oiseau en cage, toute sa vie. Elle aurait pu accomplir tellement de choses. Oh, toutes ces données à analyser. Je vais me régaler. Je vous en prie, reprenez votre destruction. Oh, oh, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues là. Tout si. Dangereuse détectée. Activation du protocole d'urgence ange déchu. Ah, je vais essayer de résoudre ce problème. Restez en vie. Chasseur de l'Arche, t'as des robots qui arrivent. Ah, ah. Je lance une grenade. Ils ont même pas le temps de pop, les pauvres. Allez. Pourquoi faut regarder, tirer sur des choses en haut? Détruire les circuits imprimés. Ah, c'est à l'étage supérieur. C'est la même configuration que ce qu'a dû affronter Roland. La question, c'est comment. Okay, sur qui tue, comment tu montes? Par l'échelle, ça me semble logique.
Enfin, par un échelle et une escalier, n'est-ce pas, Raiden? Blague de début de stream. Non, bah non, t'es là. Ah oui, mais moi j'aimerais bien, sachant que dans tes épisodes, ça va être découpé en deux, et ceux qui vont arriver vont arriver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, reviens. Je te le dis, je m'en fous. Oh, il y a une caisse de loot là-bas. Hop, et Raylene l'a complètement raté. Il semble bien, il y avait deux arcs-en-ciel dedans. J'ai pas besoin de loot. Vous êtes d'accord? Il y a deux arcs-en-ciel dedans? Ah, c'est chaud quand même, hein. C'est vrai que là, t'as eu de la chance. Ouais, ça se sent pas, hein, dans le ton de ta voix. Ouais, non, mais ça c'était fait exprès. D'accord, ok, t'es un cul. Voilà, c'est dit. C'est dit. Génial. Moi qui m'attendais à avoir au moins un nouvel ami. Oh, rappeur! Je sais pas pourquoi, mais je sens que je me suis gouré de chemin. T'as pas l'impression d'être tout seul? Oui, c'est ça, c'est une impression de déjà vu. Après, qui sait, peut-être que je vais te sortir par le bon truc, hein, et que vous auriez pas été. Je sais pas. Déjà, vu que je vois que. Peut-être. Par contre, moi je m'arrête à 18h. Ouais, je dis m'arrête à 18h, je devrais déjà être arrêté en fait. Hein. Il est pas 18h, mais je devrais déjà être à l'arrêt, normalement. Ah. Ah bah oui, bah la quenouille, je me suis pas allé. Je suis pas allé au bon endroit. Une des plaintes que j'ai entendues à propos de gens qui ont pu toucher à Borderlands 3, c'est l'aspect couloir, arène, couloir, arène, couloir, arène. Ah ouais. Et quand je vois la construction de cette map, en fait c'est exactement ça. Je sais pas ce qu'en pense tout le monde, mais. Bah c'est un peu ça. Après, est-ce que ça s'est vraiment ressenti sur le Bah quand tu reviens, oui. Tu le vois, tu t'en rends compte. Ah oui, quand tu reviens, oui, t'as pas de. T'as rien, après, c'est monotone quoi, mais. Hop là. Il y avait moyen d'être plus rapide. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait des kilomètres et des kilomètres. On aurait enfin. On aurait dû passer par le passage à Raylene et prendre la TP quoi. Oui, il y avait la TP, c'est vrai. Et sinon, ça a fait grave penser à Borderlands 1, le DLC sur Atlas. T'avais que couloir oui. Arène, couloir arène. C'est pas par là. Des fois, les couloirs c'était des putains de routes, tu mettais 10 minutes en voiture quoi. Après, ça te donnait la meilleure. Le meilleur truc de coffre de tous les Borderlands, quoi. Génial. Allez, ça c'est pour moi. C'était magnifique. Génial. C'est enregistré, c'est en vidéo. Oh non! Alors, bah ouais, allez, hop, on c'est parti. Oh, c'est... Oh, non. Traverser quelques textures, c'est cool. Mais en fait, ton live là, quand tu vas le balancer en vidéo, je suppose après sur YouTube ou autre. C'est bien, hein. D'accord, et ben, t'as qu'à l'appeler, ce qu'il ne faut pas faire. Comme ça, ils verront ton arbre de compétences, ils verront les gens mourir, ils verront tout ce qu'il faut pas faire. Bon, tu fais pas de dégâts. Hop là. Parce que t'as un arbre au cac, tu fais pas de dégâts au cac. L'autre, mais je fais que ça, je fais que taper au cac. Attends. Non, mais l'autre, il arrête pas de crever, et je te parle même pas du niveau 39 qui est là pour jouer heal, et il spam sa grenade sans réfléchir. Ton live, t'as qu'à l'appeler. La grenade, elle marche bien. Il est vachement sympa, ce mec. Quand ta grenade va devenir obsolète, c'est toute la team qui va devenir obsolète. Elle va pas devenir obsolète de suite. Ouais, après, le DLC, il est fait pour faire la suite du jeu, donc en théorie, tu peux continuer longtemps, ouais. Je sais pas si je devais descendre comme ça. Ouais, non. En fait, sur la map, c'est indiqué comme étant une zone, mais en fait, c'en est pas une. C'est la mort. Très bien. Ah, suivre ce que du fast travel. Ah bah, ça valait le coup. Voilà.
Vraiment, il y a des jours où je me dis, mais pourquoi je touche au clavier? Ils font déjà tout pour moi, j'ai pas besoin de... Attends. Tu touches au clavier depuis le début du stream? Moi, je dis, les niveaux 36, on les voit pas beaucoup, quand même. Ah non, moi, je suis là, je me balade, tranquille. Ouais, de toute façon c'était pas compliqué, le niveau 36 on le voit pas, enfin niveau 37 pardon, et le niveau 30... Putain 40, ta gueule, y'a Mordekaï qui va crever. Ta gueule, y'a Mordekaï qui va crever. Non, non, il peut pas mourir, Sanguine est déjà morte. C'est moi où il a une plante qui lui pousse dans le bide. C'est que son état est très avancé, mais pas incurable. J'ai besoin que vous m'apportiez un échantillon sanguin, ou comme on dit dans le jargon scientifique, du bon jus rouge. Du bon jus rouge. Je t'en foutrais du bon jus rouge. Je suis ceinture noire, ninja, du calme, Tina. Mais je suis presque sûr qu'on dit karaté. Ça y est, pour cette fois, vinable. J'allais te faire du karaté dans la face. En deux. Tu as déjà affronté une sirène? Ah, j'en ai pris des échantillons, ah ça y est. Oh, dis donc. Mais ils sont en train de se battre. Vous avez l'échantillon? Parfait. Venez me voir. Oh. Qu'on puisse terminer l'antique. Il va tellement le regretter. Mais non, mais l'autre avec sa grenade de chacal, là, faut qu'il arrête. Wouah! Ah, il m'a battu à comparer à toi. Bah, ma grenade est un peu pétée donc. Ils font l'amour. Bon, les gars, sinon, faites un vrai duel. Genre, juste avec une arme à feu. Une seule, impossible de switch. Ouais, ouais. Ah, si vous passiez moins de temps à me faire spammer les touches de changement d'endroit. Sinon, les gars, il y a un véhicule à skip, ça va plus vite. Oh non, j'ai pas réussi à l'obtenir. Oh, je suis bon. Mais arrêtez de me rouler. Vas-y, moi. Je t'emmène. Allez, je serai toi, je ferai un gros dérapage, je laisserai en plein milieu du désert et je me barrerai. Voilà. Merci, c'est gentil. Sans prêt. De Dahl s'y sont retrouvés coincés à une époque. Mais Stanton Dahl a choisi de pousser la mine plutôt que d'aller les sauver. Et depuis. Et tout à l'heure, la porte de la mine, elle était pas genre fermée? Elle était aussi. Moi j'aime bien tirer sur les véhicules, les faire. Ah oui, c'est ça, c'est la porte qu'on a ouverte, d'accord. Oui, c'est le gros missile dragon qu'on avait tous l'espoir de chevaucher et qu'on a tous pris un gros feu dans la tronche. Un fantôme dans la brume. L'entrée de mon laboratoire est au bout de la mine. Suivez les panneaux, faites demi-tour. Suivez les panneaux, faites demi-tour, hein. Ça c'est bon. Salut. Ah bah, je vous ai juste dit bonjour, pourquoi vous vous énervez comme ça? Hanté, maudite, qu'est-ce que je disais? Une seconde, je vais activer l'ascenseur du labo. Scarabée 180. C'est pas bien de se foutre de la gueule de la tête de Marcus comme ça. Nous a laissé mourir sous terre. Tu détournes mes propos. Je sais pas, j'ai avancé, mais je vais mourir donc. Mais non, tu vas pas mourir. Eh bah si. Sale chèvre. De toute façon, on a un ou deux heals, mais ça se sent pas parce que voilà. Hein. Ouais, bah, moi, je suis pas heal, je suis pas tout seul. Concrètement, mon arbre n'est pas du tout orienté dans le heal. Hein. En même temps, vous voyez deux pélos, vous vous arrêtez pour les tuer, quoi. C'est à peu près ça. Alors qu'on est même pas en New Game Plus, donc ils vont looter que du blanc, voire peut-être du bleu. À tout péter. Et encore, je suis gentil. Le mont Scarab. Ah, c'est joli. Apportez-moi l'échantillon sanguin, que je puisse lancer la synthèse de l'antidote. Laisse-moi deviner, on va tomber sur des insectes géants ici. Que je n'ai plus vu personne. Je vais bouffer tes bébés. Non mais par contre, ça veut dire qu'à 18h quand t'arrêtes, la suite du DLC, on se la fourre, je pense, quoi. Non, on se la fourre demain. Ah, tu fais demain en plus. Bah ouais, on est dimanche demain, je crois. Oui, au dernier niveau. Arrête de bouger. Décaté, demain on est dimanche. Putain, ta gueule. Je le fais exprès, forcément. Oui, oui, bien sûr. Y a des chances que demain j'ai déjà torché le DLC. Mais non, bien sûr que tu l'auras pas fait ça, ce que tu es en train de dire. Tu peux te pousser, merci. Voilà, je viens de perdre mes 5 secondes de... Ah bah c'est ballot. Mais c'est la vie. Espèce de traître.
Bon, le docteur Néopandorian, mais lui, on va crever. Voilà, tu prends cher. Ah, faut le buter, j'avais pas compris. Ah bon. Mais lui, il regarde les choses. Je passe à côté. Ah, c'est à lui. Mais t'as vu, des fois, tu te balades à côté d'eux et ensuite, tu te rends compte que eux non plus, ils t'ont pas tiré dessus. C'est là où tu te demandes s'ils essayent pas de faire la paix, au fond. La paix, dans Borderlands. Merci. Au moins, il y en a un qui dit merci quand on réanime. La seule qualité qu'on lui a pris. Bah écoute, vu comment j'ai été réanimé la dernière fois. J'aurais bien. C'est faux, je t'ai réanimé, hein, vraiment. Sésame! Merci. Sale boule de V2 là. Tu me décales, s'il te plaît, merci. Laisse passer les grands. Par où est-ce que vous êtes passé? Il y a un trou dans le sol. Où je trouve le trou? Lol, j'étais invisible. J'ai le surpoint d'être invisible. C'est con ça. C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. Je fais trop fusil d'assaut de feu depuis tout à l'heure. Ça fonctionne ultra bien. Le feu, c'est super efficace. Oui, bah oui, bah en plus, justement, j'étais farmé un boule de feu tout à l'heure. Parce que j'ai vu le live. Et... Putain. Allez, mais là, allez. Là, on serait tous arrivés avec un conférence call de feu, mais gars, le DLC, on l'aurait fumé. Hein. Je vais mourir. Non, c'est bon, je remonte. C'est bon, tout va bien. Oh oui, oui, d'accord. On n'a pas vu le bâtard. Console d'urgence dans cette pièce de confinement. Utilisez-la pour disperser ce qu'il reste de quartier. Ça, on aurait dû rester à Uranus et le tuer quelque peu. Ouais. Hop là. Et pour Uranus, il file quoi? Il file plein d'arc-en-ciel et de légendaires. Bah oui, on l'a remarqué. Ah oui. On a remarqué qu'il donne plein d'arc-en-ciel et de légendaires. On a eu qu'un légendaire tout à l'heure. Et zéro arc-en-ciel. Oh, c'est pépité en vrai. C'est quoi cette skin d'arme en or? Dis-moi. Ouais. Wow, alors t'es un peu en retard, hein, parce que cette arme je l'ai depuis un bail. Est-ce que tu crois que je passe mon temps à te regarder? Il est encore en retenance. Bon bah alors. Ah, mais c'est beau, j'aime bien voir ça. Ah non, bah je m'en fais. Hop, oh, petit relais. Alors, ah bah merci, c'est gentil. Bah alors, tu meurs, j'ai enculé. J'envoie une grenade. Merci, il y a le souci. Docteur de merde. Mais tu te fais sauter si tu veux, non, c'est pour savoir. J'ai un petit problème avec mon PV, je suis pas sûr. Ah, peut-être. Ça a l'air d'aller en vrai, t'es PV, non? Bah ouais, depuis que je me suis arrêté, j'aime bien un personnage qui te répond « Oh, la ferme !» On va te relever. Merci. Qui te répond « Oh, la ferme !» C'est quand j'ai claqué mon truc, j'ai voulu claquer sur toi, mais ça a touché un ennemi. Ah. Oh, l'excitation de la découverte scientifique. Passionnant. Vous ne trouvez oui pas? Vous savez, merci. Quand tout ça sera derrière nous, attends, il y a mieux. Je n'exclus pas, ça a pas marché, d'accepter les avances charnelles de votre ami professeur. Bon, toi, tu vas rester là. Tu vas crever comme je sais pas quoi. Puis... Mais putain. Je crois qu'il y en a un qui va crever comme je sais pas quoi, mais c'est pas la personne qui était censée l'être à la base. Mais bon, merci. Oh la vache. Oh, mais ah mais je sais pourquoi je prends aussi cher. Tu t'écoutes? Ça va mieux là. Mais j'étais dans, tu sais, le truc de plante là, je l'avais au maximum. Ah. Et ça fait quoi au maximum du coup là? Tu prends des dégâts. Mais tu vois, moi j'étais là, mais putain, mais pourquoi je prends aussi cher? Et je peux vous assurer que j'emploie tout à fait sans la moindre candeur. Nous allons pouvoir produire l'antidote. C'est là que vous déposerez l'échantillon sanguin de votre ami. Maintenant, scannez l'échantillon.
Je sais pas pourquoi lui, mais en fait j'ai l'impression que c'est un méchant. Ouais, t'as l'impression qu'il a ta foutre à l'envers, ouais, je suis d'accord. Ah, je suppose surtout qu'il est bien bien infecté, que lui il va claquer avant qu'on puisse faire la... Ouais, Après, ils sont pas foulés sur les textures des machines à utiliser. Le sang de votre ami a été... J'avoue, c'est un vieux bloc avec un truc... Bah, en plus, c'est la même que tout à l'heure avec l'autre, avec son cerveau, là. Je peux régler ça. Oh, ça ne va pas. Il nous faut un autre échantillon. Bah non. Il y en a un qui a heal. Mais vous savez qu'il y a encore un DLC de Borderlands 2 qui arrive? Ah bon? Sérieux? Parce qu'ils ont prévu pour septembre, enfin, c'est pas sûr à 100%, c'est juste qu'ils ont lâché une news disant il y aura peut-être un dernier DLC avec la sortie de Borderlands 3. Donc à voir s'ils vont vraiment le sortir ou si en fait ce sera juste un bug encore de bug. La queue, la queue, la queue. Ouais, voilà. Voilà. Pourquoi on... Oh la gueule. Des racines et des ailes. L'enculé. Pourquoi son œil ressort? Hop, il a encore grossi par rapport à la cinématique. Ah, toi aussi t'as vécu ton adolescence. C'est bon, je l'ai mis en phase. On fait chacun notre tour. Normalement, il est en phase en permanence. On fait chacun notre tour. Suivant. Moi, c'est pas une phase. Moi, la phase, c'est se déplace. Je peux se déplacer. Il est. Mais il est où? Ah de... ah ah il y a un légendaire assassin. C'est moi qui l'ai eu la grenade. J'avais un mode assassin. Comment j'ai couru? Comment j'ai couru? Alors, l'arme, c'est une Expandified Madhouse. Donc elle va équiper. Voilà. Ok. Marcus, j'ai un mode assassin pour toi, je sais pas ce que tu veux. Oui, moi aussi j'en ai un. Chasseur, c'est quoi que tu as comme, comme mode? J'ai... Alors attends, je vais te dire ça de suite. Gage, bah non, deux trucs en fait, tu l'as... Ah non, bah je l'ai pas du tout en fait, je sais pas où il est. Ou alors tu l'as récupéré, mais... Ah bah je l'ai récupéré, ouais. Ah bah je pensais que j'avais. Et il est pas terrible. J'ai foncé, et là je t'ai vu tout prendre. Tu veux la voir la grenade? Tu veux la voir la grenade ou pas? Juste la regarder, vas-y. Ah mais pose-la au sol. Et voilà, elle est posée au sol. Ouais. Et elle me fait masse dégâts à moi-même, donc elle est en train de me tuer là pour le coup. Par contre, j'ai l'impression qu'elle va être sacrément efficace. Ouais. Elle doit être chutée, sa grenade. Non mais, pose-la, enfin, ou alors montre-la moi en échange, mais juste que je vois ses stats. C'est qui? C'est toi? Je sais pas. Ouais, c'était juste pour l'avoir ses stats. T'as quoi tes stats dessus? Et là, il va essayer de la chipper en échange, en mode il va pas voir. Non, non. Je non, peux non. Pas parce qu'elle est... parce que ton inventaire est plein. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais voilà, ça marche bien. Très bien comme elle est. Non, j'essaye. Oh, c'est des bien... Ça serait bien qu'il y ait un truc qui... Je suis coincé derrière le... Oh, et si vous êtes toujours là, je peux pas la mettre. Attends, entrez. Au pire, c'est pas grave. Fous-la au sol, je vois deux secondes, j'y touche pas. Ouais, il y a un truc là au bout. Ah, oh non, 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 je sais, j'ai mieux. Dites-lui que je lui remets la médaille du plus gros fusio connard de Pandore. C'est un pas... Ouais, non, en fait... Ah, mais c'est parce que 900 de feu par seconde, d'accord. Tu crois que c'est ça qui... Ah ouais, 900 de feu. Bah, je pense que c'est ça qui doit faire le plus de dégâts, oui. Ah, parce que moi, c'est moi c'est de l'électrique et c'est 1193 par seconde. C'est quand vous voulez. Ouais, mais enfin, t'as vu le temps qu'elle dure, une grenade, tout ce qu'elle fait, tous les jets de feu qu'elle fait. C'est pas faux. Alors, attendez, il est cassé, celui-là, je suis sûr. Ouais, il est cassé, il y a pas de retour. Fais chier. L'autre truc... Ah, putain, vous avez vu ce qui est marqué? Paradas Sanctum. Ouais, c'était marqué Sanctuary, ils sont en plein milieu. Putain, on est à bord de Sanctuary 3. Je sens les racines. Oh putain, ça va être fun. C'est ça. Je suis sûr. Chasseur de l'arche, t'es dans les boyaux de Sanctuary. Ah non, même pas. Ça va chlinguer. Merde, j'ai lancé une grenade. Dépêche-toi. Sanctuary. Ouais, bah non, regarde. Ouais, non, ça a pas l'air si cheaté que ça. Hein. Ça fait pas de dégâts. Enfin, par contre, pour me tuer, ça me c'est balèze hein, mais voilà. Bah, écoute. Moi, ça marche toujours aussi bien. Nade hein. Je vais étouffer à mort sous un de mes nibards. Quand je vous disais que c'est biflou, j'étais niveau 400. Yann bloque mes mécanismes. Découplé en Juliette, chasseur de l'arche.
l'autre elle a même un mode de classe pour augmenter la taille de ses nibards, je suis sûr. Plus 300%. Putain, mais toi tu regardes tout ça la vie. Ah bah ouais, il y en a partout. Et c'est pour ça que j'étais en train d'essayer de te raise. Bon, c'est bon, il... Dès qu'ils sont paqués, ils meurent ultra vite parce que... déjà de nouveau vous devez faire pas mal de dégâts et puis il y a plein de dégâts de zone élémentaire qui pop quand je tire. Donc faut les paquer. Moi je fais les dégâts de grenade et ça les stack. Ben parfait, mais stack les plus et moi je les tuerai plus. On avait encore 6 ou 7 années devant nous avant que ça arrive. Parce que le nuage toxique il enlève les boucliers à une vitesse. Ah, je suis chez Marcus. Vous avancez à rien. Ah, il faut qu'on bouge là. Oh, je vendrai plus d'armes à ces soldats. Marcus est chez Marcus. Wouah. Quelle est la question? Oh, un Goliath infecté. Bon, je l'ai pas transformé, sinon on allait bien galérer, je crois. Ça aurait été bien, t'aurais dû. Non, faut les transformer quand il y a plein d'ennemis, comme ça t'essaies de le monter niveau 70. Ouais. Bon, après tu galères, hein, parce que si il chope, il t'encule. Alors, c'est... tu crois que ça le dérangerait? Lui non, moi oui. C'est moi qui suis paumé, c'est pas où aller. Je sais pas, mais déjà je suis pas. Je sais déjà pas où est-ce qu'il est parti. Je suis monté. Hein. L'objectif c'est de remonter, hein, tout simplement. Hein. Dès que vous voyez un escalier qui monte. On a un escalier. Attendez, je vais chercher l'Iridion. Mais de là-bas, il y en a plus. Bon, bah, je vais crever. Merci du coup de main, les mecs! Bon, on sait pas où est-ce que t'es! En même temps, vous avez vu trois pauvres pélos, vous êtes arrêtés à 3 pour aller buter! Mais non, moi je suis en plein sanctuaire, je suis monté! Ah bon, bah dans ce cas-là, t'as dû me trouver! Parce que j'ai juste suivi le. Bah là, je suis en train de monter là! Mais c'est juste que ces boulets, en fait, ils ont fait demi-tour! Ah, mais d'accord, je sais pourquoi t'es mort, y'a un petit brutal! Oui, y'a un brutal, un sniper brutal, effectivement! Enfin, y'en a pas qu'un en fait! Ah! Allez, hop là, putain, la grenade qui claque à côté. En fait, il y en a plus du tout. Quand tu joues le cac, tu le joues en solo ou en multi? Moi? Ouais. Je le joue en solo en général, pourquoi? Peut-être pour ça, parce qu'en multi, les ennemis sont plus compliqués à buter. Ouais. Bah, plus il y a d'ennemis, plus c'est difficile. Oh putain. Je pense pas que ça vient que de là, à mon avis c'est juste que t'as pas fini de monter l'arbre. Ah bah... J'ai un point à mettre là, je vais aller le mettre après mais... Parce que... Après je te dirai mon arbre si tu veux mais Faudrait que je ressorte mon perso vite fait. Contre un peu de verdure, mais mon bar a besoin de tout sauf d'un tas de monstres décérébrés incapables. C'est peut-être la fin là, je pense, parce qu'on a réussi à revenir dedans donc autant... Autant y aller franco. Comme James. Ouais, bah alors lui. Tu parles d'un acteur. C'est la fin du DLC déjà. Sérieux, mais putain. Enfin, je sais pas, mais je pense parce que le but c'est juste de récupérer Sanctuary. Bon. Bah ouais, et encore parce que normalement. C'est... Hop là. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ça a l'air d'être la fin, les gens. Je crois que ça fait. Ça veut dire Minecraft voilà. Cette semaine. En fait, c'est un petit peu Bane. C'est un petit peu Bane, vous avez vu, il s'inflige le produit, il devient plus balèze. Oh la vache, il a la clé de l'arche dans le vide. Ah ouais. Oh merde. Mais c'est plein de trucs. Je sais même pas sur quoi faut tirer. Moi je tire. Je dirais sur un gros truc infecté qui est à côté de moi. Oh bah il s'est fait exploser le crâne. Il y a des fleurs, des capsules infectées au-dessus. Oh, il y a encore de l'arc-en-ciel si vous voulez. Hein. Je suis plein, mais... C'est vrai? Ouais, ouais. Non mais je suis pas un menteur. Hein. J'ai pas eu avant qu'on me pose la question, hein, parce que ça a commencé à venir, j'imagine. Mais sérieusement, t'avais encore de l'arc-en-ciel à côté de toi. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est qui l'enfoiré qui l'a ramassé? Il balance pas, mais bon. Il balance pas, mais vas-y. Mais du coup,
coup c'était quoi, c'était une arme? Non, c'était le curseur encore. Oh, c'est encore le curseur. Voilà, mais en fait je viens de voir, mais je prends cher en fait. Ah non. En fait, comment tu... C'est en pétant toutes les fleurs que tu... Ouh, le lican. Ouais, le lican et la Lilith. Ah, ah, ah. La queue. Ah. Elle a encore coureur d'arc-en-ciel. C'est quoi, encore une apparence? La même. Putain, mais elle drop trop ce truc là. Au moins, t'es sûr que tout le monde l'a. Voilà ça. Attends, je vais ramener un autre perso histoire de débloquer sur tous mes persos. En plus, elle est pas si. Tu peux la récupérer et l'envoyer. Hein. Sinon. Ouais, enfin. Maintenant, c'est un peu tard parce que je l'ai déjà. Enfin, si on la redrop peut-être, ouais. Ah mais c'est quoi qui me fait aussi mal là? En fait y a des bras auprès des murs. Ouais et puis même les labos ils font ultra mal. Ouais c'est parce que... Toi décède. Bon oh, attends, moi je fais le grenade au max là le boss. Bah c'est ce que je fais en fait. Ah, j'ai balancé 3 grenades dessus là, je pense que c'est bon. Ah, bah là c'est bon, il va crever là. Et je suis mort si vous pouvez... Voilà, merci beaucoup. Et là, je vais sans doute mourir à cause de ma grenade, voilà. Est-ce que je peux être 13 encore s'il te plaît Reline? Merci. Non mais je veux pas mourir pendant la cinématique, tu vois ce que je veux dire? Y'a du rouge qui tombait. Arrête de bouger, tu te régènes. Y'a du rouge qui est tombé. Ouais, c'est de la santé en fait. Calme-toi. Putain, mais qu'est-ce. Dégâts Roid. Ah putain, j'ai trouvé un super bouclier. Voilà. Ça c'est cool. Et sinon, y'a pas d'arc-en-ciel qui est tombé. L'arc-en-ciel. Non, rien. En vrai, tu loot tout le long des arc-en-ciel de merde qui servent à rien. C'est quoi Skittles? Ah, c'est pas fini. Tu m'étonnes qu'on trouvait pas. Prendre la pile d'iridium. Ah, on va. Oh! Vite, on va rentrer chez Earl le dingue! Venez vite! Où ça, t'es où? Je veux voir comment c'est chez lui. Bah, chez Earl le dingue! Vite, go! C'est une prison. Iridium! Wouhou! Ramassez autant que vous pouvez! C'est dommage, on peut pas le garder. Ouais. Okay. Et là, on a tous l'air de couillons. Bande de gros. Ah, c'est. Ouais. Ouais, bah, on est parti. Et moi, je le suis comme un couillon, putain. Pardon pour tout, vraiment. Oh, mais qu'est-ce que je suis con. Oh putain. Oh, oula. Mes yeux. Ça flash. Ça va péter. Oh non, arrête de nous TP. Oh, à chaque fois qu'on a moyen de se faire exploser, on est TP. Je comprends pas. Pourquoi j'ai encore l'impression que c'est enfin, pas la fin du DLC, du coup elle va juste se si, cinématique, c'est la fin du DLC. Je partirai pas sans cette carte. C'était la carte ou la clé comme moi? C'est la clé, on veut. Et la clé c'est la carte. Cette carte. Elle mène à un pouvoir qui dépasse votre imagination. Ou alors elle est là pour les tentacules, vu qu'il n'y a plus Roland. Non, sinon ce serait Reline qu'on verrait. Sanctuary fait partie de moi. La carte des arches aussi. Si vous me détruisez, c'est les deux que vous perdrez. Votre rêve meurt avec moi. Mais... On peut savoir ce que vous faites? Ah, elle a les ailes violettes. Je prends une décision. Wow. Ça y est, mais tu es de l'iridium. Ah, elle accouche. Flock, le psycho qui sort. Ouais. Et l'autre qui arrive qui lui pique vois... Je non, vais bouffer tes bébés. Tu vois un mini Roland. Non non. Et là non. Et là surprise, tu vois un mini brique qui sort. Tu vas bien? Ouais. Hello darkness my friend. C'est fini. Lilith. Wow. Wow. Génial. J'ai détruit le sanctuaire. Il est mort, l'arbre géant. Et Roland aurait fait la même chose. Je dis oui. J'aime bien, il dit ça en prenant l'épaule d'Ellie, genre c'est Ellie. C'est bon, j'ai calculé que Sanctuary avait 86,4% de chances d'exploser en atteignant sa vitesse de fuite. Moi je remarque que ton modèle il est pas fait pour tenir un objet aussi gros, du coup tu lagues quand tu te déplaces avec. Sanctuary, la carte, tout a disparu. Eh, t'as fait un choix. Et on est toujours en vie.
C'est tout ce qui compte. Ouais, j'imagine que oui. Bon. Et maintenant? Là-haut. Eh ben maintenant, faut attendre le 13 septembre. J'ai vu les arches. Elles sont connectées à quelque chose de plus grand. Oh. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, rien. Bon, on a peut-être plus la carte, mais on en a jamais eu besoin en fait. Faut qu'on trouve les arches avant qu'elles tombent entre de mauvaises mains. On doit continuer à chercher. Et pour ça, on doit quitter Pandore. Mais je peux pas vous suivre. C'est quoi ce modèle d'Élie qui a l'air trop quelqu'un bien doit fait. Reformer les pillards. Il nous faut de la chair fraîche et des brutasses si on veut être prêt pour le combat. Trouvez les arches, quelle que soit la distance, quoi qu'il puisse arriver, vous serez toujours des pillards écarlates. Oui. En vrai, la cinématique, ils auraient pu la faire avec le moteur 3D du troisième opus. Techniquement. Oui. M'étonnerait beaucoup. C'est une cinématique, c'est en point MP4 sur le dossier. Il a disparu dans un spectacle qui aurait plu à Scooter en tuant un méchant gros arbre. Le DLC le plus écologique du monde. C'est un beau discours que t'as fait, Lilith. T'as bien failli me tirer une larmichette. Mais pourquoi est-ce que tu restes ici, en vrai? La carte des arches est toujours là, Ellie. Et quand je l'aurai trouvée, alors je pourrai quitter Pandore. Oui, alors avant ça, on va peut-être commencer à construire J'espère le vaisseau. Que t'as raison, poulette. Wow, spoiler! Non, pas vraiment. Et là, on cherche là parce que voyez. Oh, attention, tu vas le faire kick. Ah, une canette. Ah, une cinématique. Ah, un bandit. Faut bien que je la fasse. Hein. Y'a pas quelqu'un pour dire un caillou? Ah, une tempête. Moi, je dirais plutôt un futur mort. Voilà. Oh, un skag. Oh, une clé. Ah, une marche. Ah, mais la canette revient toujours à la clé, c'est ça le secret en fait. Ah, putain. C'est pour ça que c'est un dessous de verre en fait. Ah, d'accord. On attendait à une suite. Moi aussi, à moins que quelqu'un ait passé, mais. Non, ouais, mais non, je m'attendais à une suite aussi. Ah, il y a une quête à rendre. Et là en fait, on va tous récupérer. Tu sais, on va peut-être avoir un bon truc. Et là, on va tous récupérer un bon réduction de 10% de Borderlands 3, sauf que voilà, on l'a tous déjà fait. Ah, non, ça me ferait mal. <d'imagine>. Ça me dérange pas, j'ai pas encore très compris. Dégâts de fusil d'assaut plus 41%. 3 ou rien. J'ai eu un succès stylé. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, merci. Non, merci, sérieusement, merci beaucoup. On attend chez le DLC en une après-midi. En quelques heures. Putain, mais je suis déçu là. Oui, bah oui, bah, moi aussi. Bah du coup, est-ce que vous êtes là vendredi après-midi ou pas? Est-ce que vous prenez des congés pour jouer à Borderlands 3? Moi, je voudrais bien, mais j'ai un mois que je suis en arrêt, donc... Ça fait déjà un mois que t'es en arrêt, donc bah continue. C'est très très bien. Parce que nous, on va commencer Borderlands 3 mercredi après-midi. Et ça, c'est si seulement. Vendredi après-midi, 14h. Donc voilà, en attendant, ce sera du Minecraft. Moi, vous voulez venir. Je le commence à minuit 1 ou à 1h du matin, suivant l'heure où c'est Ce sera 1h, je crois, chez nous. D'accord. Okay. Bon, bah, de toute façon, tu pourras quand même nous rejoindre dans le pire des cas avec le super système qu'ils ont rajouté. Normalement, ouais. Attends, quoi? Bah, y'a un super système qui fait que ton loot sera instancié pour toi. Ah oui, si là, pour faire instances. Ça c'est bien, on sera pas obligé de se battre pour une arme légendaire, bande de bâtards. Ouais, c'est ça. Ok. Non, parce que bon, moi lundi j'ai ma rentrée à l'IUT. Au revoir le stream.